thoughts around the next quarter. Virginie Lemaine, enseignante en mathématiques à l'INSPE et vice-présidente à la vie étudiante. Myriam Bercher, étudiante en master de santé publique et vice-présidente étudiante de l'UPJV. La DVE, direction de la vie étudiante, est composée de quatre services. Le S2C, service culture et création. Le SUAPS, service universitaire des activités physiques et sportives. Le SESH, service aux étudiants en situation de handicap. Et le SSU, service de santé universitaire. La DVE offre aussi une multitude d'aides et de services avec de nombreuses compétences transversales destinées à tous les étudiants de l'université. La direction de la vie étudiante est en charge de la vie associative et de la vie étudiante. Qu'est-ce que la vie étudiante? Ça va comprendre tout ce qui est en lien avec l'accueil des étudiants, leur intégration et leur vie au sein de l'université et tout ce qui va être l'animation des campus conjointement associée avec les associations étudiantes. Ces actions vont être en partie financées par la contribution vie étudiante et de campus. Cette CVEC doit être acquittée juste avant votre inscription à l'université. La CVEC va servir à l'aménagement des campus, à favoriser l'accueil des étudiants, notamment via l'organisation de temps forts comme les journées d'accueil des étudiants, et va permettre de consolider les actions dans les domaines social, sanitaire, culturel et sportif. La DVE va également accompagner la vie associative. Il faut savoir qu'à l'université, il y a beaucoup d'associations étudiantes qui sont là pour accompagner les étudiants et animer les campus. Et la DVE va accompagner ces associations dans leur développement et leur fonctionnement, notamment via la mise en place de formations et la mise à disposition d'un fonds qui va être spécialement dédié au financement de projets réalisés par les étudiants pour les étudiants. Tout étudiant engagé à l'université peut valoriser son engagement via des points bonus ou une note. Donc ça concerne les étudiants issus d'une association ou ceux qui sont par exemple volontaires dans un service civique et également ceux ayant un job étudiant. L'UPJV a pour objectif de favoriser l'emploi des étudiants au sein même de l'université pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'une activité salariée, afin de vous permettre de concilier au mieux la vie universitaire, vos études et une vie professionnelle. Pour cela, une plateforme appelée Job Teaser recense l'ensemble des emplois qui sont proposés à destination des étudiants de l'UPJV. Un étudiant engagé peut bénéficier d'un aménagement de ses études, par exemple un aménagement d'emploi du temps, en formulant une demande de régime spécifique d'études ou via une demande de césure. Qu'est-ce que la césure? C'est une interruption temporaire d'un semestre ou d'une année entière de vos études. Vous devez en faire la demande auprès de l'université de façon à ce que votre place soit conservée, que vous la retrouviez à l'issue de cette césure. Si vous êtes actuellement en terminale, il faut faire une double demande, une première via la plateforme Parcoursup pour prévenir que vous serez en césure l'année suivante et une fois votre place accordée à l'université, vous réitérez cette demande auprès de l'université pour nous informer que vous acceptez votre inscription. La DVE va donc être en charge de tout ce qui va s'apparenter à la vie de campus, mais va également être présente pour accompagner et aider les étudiants de manière individuelle via notamment la mise en place d'aides ponctuelles. Donc profitez-en. Pour résumer, la DVE, ce sont quatre services qui proposent une offre riche et diversifiée à destination des étudiants, mais aussi un ensemble d'offres transversales absolument passionnantes. Renseignez-vous.